La montagne est probablement la plus impressionnante de l'île et la plus grande. Ça, c'est la montagne Ida ou Psiloritis. Vous voyez qu'elle est toujours enneigée. Bien sûr, cet hiver, c'était très très doux. Donc, normalement, imaginez que les montagnes ici, particulièrement Ida, restent enneigées jusqu'à fin du mois de mai, quelquefois en juin aussi. Mais maintenant, ça commençait de s'effondrer. Donc on se trouve au banlieue en fait à l'est de Héraklion. Vous voyez aussi le radar de l'aéroport, c'est cette grande balle du golfe en fait sur la colline. Dans quelques minutes, nous serions arrivés à Héraklion aéroport. Molto vicino il porto. La città di è il porto più grande dell'isola, il porto di Heraklion. L'altro porto importante si trova nella parte occidentale, zona di Chania, si chiama Suda. Questi sono i porti, due porti più grandi dell'isola. Abbiamo tre aeroporti, il più grande è questo di Heraklion. Noi abbiamo anzi la costruzione del nuovo aeroporto più al centro dell'isola. E poi c'è l'altro, la parte ovest, Chania sempre, a destra un piccolo di Sidia. La città di Heraklion abbiamo detto che è la città più grande dell'isola, 200.000 gli abitanti, non è lontano dal porto, se volete fare una passeggiata, è la famosissima città di Candia per i veneziani, anzi era famosa come l'anima di Venezia. La città di Candia. La città, questa città è una città fondata tardi, perché la città principale, possiamo dire tutta l'epoca antica, preistorica, storica, era Cnosso, solo 8 km al sud di Heraklion. La città fondata dagli arabi alle 827. La città principale fin quel periodo era Hortis al sud, però gli arabi hanno fondato la città qua ad Atene, lo stesso, e che lui era il governatore dell'isola di Creta, costruito questa famosa fontana con i leoni, il centro della città di Heraklion. E poi la stessa strada potete prendere, c'è un'altra cosa famosissima andando verso il centro che vedrete per strada, al porto veneziano che sta. Se non volete per esempio andare verso il centro, potete andare verso quella zona in ogni caso per vedere il porto veneziano con gli arsenali e la famosa fortezza Rocca a Mare, era per i veneziani, Cules si chiama oggi per i locali, in una buona condizione da fuori che potete vederla, ma la zona lì è molto bella. E poi proprio accanto la fortezza e la strada pedonale che porta al centro. Donc, vous voyez, nous entrons maintenant dans la ville. Donc, quelques 5 minutes, nous serions arrivés au port. Si vous voulez, car vous avez le temps, si vous voulez visiter aussi la ville de Heraklion, c'est une ville intéressante. Une ville qui était fondée principalement par les Arabes pendant le 9e siècle. Il y avait un petit port, mais la ville principale pendant l'Antiquité, c'était la ville de Knossos. Si vous voulez visiter donc la ville de Heraklion, où également vous allez voir, c'est un mélange en fait de toutes les périodes différentes, des Arabes, des Vénitiens principalement, et des Ottomanes. Vous pouvez prendre la navette du port, d'accord, qui vous mène de l'autre côté du port de Heraklion. Et de là, si vous allez longer la mer à droite, vous allez vous trouver devant le château dans la mer. C'est ce qu'on appelle Komkoules. Vous allez voir aussi les grandes arsenaux vénitiennes. Et juste en face du château de la mer, il y en a la grande route piéton qui vous mène exactement au centre de la ville où se trouve la fontaine des Lions, qui était placée là vers le XVIIe siècle par le fameux gouverneur de la ville de Heraklion qui s'appelait Francisco Morosini, le dernier défendeur aussi de la ville. Et comme elle l'a mentionné, Morosini, le fameux gouverneur de la Crète, c'est lui qui l'a bombardé l'acropole aussi. Hein.
pendant la guerre turco-vénitienne. Donc, vous avez le temps de le faire. Vous pouvez trouver probablement aussi une petite taverne ou un café au centre de la ville. Ça vaut la peine de vous balader un petit peu dans les ruelles de Raclion. Vous pouvez voir aussi les remparts impressionnants de la ville. Et puis, vous suivez exactement la même route. Vous descendez vers la mer et vous longez la mer à gauche pour rentrer au bateau. Donc, on va commencer de vous dire au revoir. Vous voyez déjà le bateau juste en face, très discret. Le bateau, c'est la même taille avec nos immeubles ici. Donc, nous espérions que vous avez profité de notre journée ensemble. Pour nous, c'est le premier jour de la saison. Donc, merci.